de 10 ans, nous avons de bonnes raisons de penser qu'il a été maintenu en prison à ciel ouvert sans aucune raison, parce que là, on sait, on savait que ses proches avaient besoin de lui et étaient prêts à fournir tout l'électorat qu'il faut. Nous avons même de bonnes raisons de penser. C'est pour ça, Monsieur le Président, au début de mes plaidoiries, je vous ai confié l'inquiétude du président Moussa Dadis Camara. Son inquiétude de voir le politique influer. Nous ne le disons pas parce que c'est acquis. Non. Nous le disons parce que c'est un devoir pour nous. C'est une obligation. Il faut que nous le disions. Parce que si nous ne le faisons pas, quelqu'un d'autre ne le fera pas à notre place. Nous avons de bonnes raisons de penser que des délégations se préparent pour aller en forêt. Et c'est pour aller leur dire, il va être condamné, nous le gracierons. La grâce n'efface pas la condamnation. La grâce rendra le président Dadis incapable un jour de manifester son intérêt à briguer la magistrature suprême. Parce que s'il le voulait aujourd'hui, s'il avait la possibilité aujourd'hui, et je sais que la décision que vous prendrez lui donnera cette possibilité-là, les Guinéens comprendront qu'il reste et demeure populaire et qu'une bonne partie de la Guinée continue de se reconnaître en lui et qu'une bonne partie des Guinéens l'adoubent et continue de penser que si il sortait de cette situation, la porte de la présidence lui serait ouverte. Mais on veut l'en empêcher. C'est pourquoi on envoie maintenant des délégations pour préparer les gens. Mais il faut que ceux qui le font comprennent que les temps ont changé. Que les temps ont changé. 2010, ce n'est pas 2024. Qu'ils se trompent. Ils m'entendent. Je leur demande de se détromper. Et nous le disons avec fermeté, avec toute la conviction qu'il faut. Nous le disons en prenant tous les risques possibles. Mais nous sommes convaincus que ce que nous disons, c'est cela la vérité. Et cette vérité, nous ne la cacherons pas pour rien au monde. Mais ce que nous regretterons, c'est que l'on se serve de la justice. Parce que sans la justice, croyez-moi, moi, ma vie est rien. Mes mains ne me permettent même pas de prendre un coupe-coupe. Sans la justice, je ne sais pas ce que je peux faire. Et c'est pour ça que je ne permettrai pas que cette justice-là soit compromise. C'est pour ça que je me battrai contre vent et marée pour que cette justice-là ne soit compromise. C'est pour ça, Monsieur le Président, je vais vous dire que votre tâche sera très difficile. C'est pour ça que je veux vous dire, vous avez besoin de beaucoup de prières. Oui, la prière, c'est le meilleur moment où on en communique avec Dieu. Qui que nous soyons, et nous avons besoin de cela. Et cette prière-là va vous libérer. Cette prière-là, monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs,
va vous libérer. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Je donnerai toute ma vie pour ne pas être à votre place. Mais toute ma vie pour ne pas être à votre place. Vous comprenez? Combien je veux vous dire la difficulté que vous aurez, la complexité de cette affaire, tout ce qui tourne autour. Mais ceux qui pensent pouvoir se servir de la justice ont déjà perdu avec vous. Ils n'obtiendront pas gain de cause. Ils n'obtiendront pas gain de cause parce que vous n'accepterez pas. Parce que vous vous rappellerez toujours votre serment. Parce que vous vous rappellerez toujours les charges liées au port de cette robe. Parce que vous vous rappellerez toujours la noblesse, la sacralisation, le surnaturel qui accompagne ce travail que vous faites. Parce que vous vous rappellerez toujours que loin d'avoir un métier, c'est une vertu. Être juge. Être juge est une vertu. N'oubliez pas cela. Gardez cela. Messieurs les juges assesseurs, gardez cela. Ne l'oubliez pas. Gardez cela. Je disais, monsieur le président, que la détention du président Dadi était inutile. Parce qu'elle rabaisse la République. Je me rappelle une maxime de John Fitzgerald Kennedy, et je la cite. On reconnaît une grande nation aux hommes qu'elle produit, mais aussi à ceux dont elle se souvient et qu'elle honore. La Guinée a produit le président Dadi. La Guinée doit se souvenir du président Dadi. Pour ce qu'il a été, la Guinée doit honorer le président Dadi pour ce qu'il a fait. Et c'est un ancien président qui le dit. Et ce qu'il a dit produit aujourd'hui des effets aux États-Unis. C'est pour ça que le président Dadi doit être honoré. Monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, l'ancien président américain Donald Trump, malgré ses déboires avec la justice, est toujours respecté. Il n'a jamais été humilié publiquement. Je ne parle pas du jeu politique. C'est le jeu du ping-pong. C'est normal. Il le fait, on peut bien le faire pour lui. Je parle de l'américain moyen. Je parle des juges américains, y compris au prix de toutes les violations flagrantes que lui, il peut le faire. Rappelez-vous que tout dernièrement, il a été rappelé par un juge qui lui a dit « Si vous continuez à faire vos déclarations, je risque de vous priver de vos libertés. » Mais il continue. Mais ce que je veux vous dire spécifiquement, aux États-Unis, monsieur le président, tout inculpé est menotté. Tout inculpé traverse un parloir où des photos, ces photos sont prises. Le président Dadi, le président Donald Trump, l'ancien président, a été inculpé, mais il n'a jamais été menotté. Il n'a jamais traversé un parloir. Vous pensez qu'aux États-Unis, on ne respecte pas les lois? Non. C'est parce qu'on n'a pas pensé à Donald Trump. On a pensé à ce qu'il a incarné. Mais vous imaginez l'image de l'Amérique lorsqu'on voit un chef d'État américain menotté devant les médias du monde entier. Mais pourquoi les bons exemples doivent toujours venir d'ailleurs? Mais pourquoi ils ne peuvent pas venir de chez nous? Pourquoi le président Dadi doit être détenu? Pourquoi en acceptant de venir avec toutes les garanties qu'il a données, avec tout ce qu'il a dit toutes ces années, pourquoi on ne pouvait pas le laisser à côté et permettre aux autres pays africains
aux autres chefs d'État africains d'oser la justice de leur pays. Pourquoi la Guinée est passée à côté? Pourquoi vous êtes passé à côté? Je ne parle pas de la nécessité de sa détention. Ça n'en est pas déjà. Moi, je ne rentre pas dans les querelles d'eux. Il s'est constitué prisonnier, c'est la loi qui le voulait. Ce que je veux faire comprendre, en se constituant prisonnier, on n'est pas obligé de nous garder en prison. Quelqu'un qui prend son billet d'avion, quelqu'un qui vient à l'aéroport, mais quelqu'un qui depuis 10 ans demande à venir, mais qu'est-ce que ça fait pour l'honneur du pays, pour l'honneur, pour l'image de la Guinée? Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui à notre justice, le fait qu'il soit détenu dans ces conditions exécrables? C'est pour ça que je dis qu'on est passé à côté de l'histoire. On a pris le mauvais côté. Je n'étais pas là ce jour-là. Peut-être que vous m'aurez compris. Peut-être que ce jour-là, il ne serait pas allé. Parce que quand vous serez seul, je vous demande de penser à ce que je viens de vous dire. Quelle utilité à garder un ancien chef d'État? Je n'ai pas dit qu'un chef d'État ne part pas en prison. Quelle est l'utilité à le garder alors que lui, il a facilité toutes les tâches? Alors que lui, il est venu vers vous. Même les symboles, lorsqu'on vous dit allez-y, qu'il soit le premier à entrer dans le car. La justice doit avoir ce côté humain. Vous pensez que, en étant là, vous aurez dû juste penser au moins qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat. Vous devrez penser au moins que cela l'a troublé. Vous devrez penser au moins qu'il a été gardé en exil forcé. Vous devrez penser au moins à ce qu'il a subi pendant toutes ces années. Mais personne n'y a pensé. Et vous pensez que c'est cela la justice? Non! Ce n'est pas cela la justice. La justice doit avoir un côté humain. La justice doit poser des actes nécessaires. La justice doit poser des actes utiles. La justice n'est pas contre nous. La justice est pour nous et pour tout le monde, même vous. Vous êtes des citoyens, vous êtes justiciables comme nous. J'ai défendu des magistrats ici. Un procureur militaire est à l'audience. Nous ne devons jamais perdre cela de vue. Voilà pourquoi je dis, il me faut défendre l'honneur de ce prisonnier. Qui le garde tant en prison? Quel règlement de compte? Alors, parce que tout ce qui s'est passé pendant son régime, on lui attribue tout. Même quand le président Souleymane Ba, que j'aime bien, ordonne une commission rogatoire à être exécutée par le service de Thiébro, et qu'il exécute la commission rogatoire et qu'il prenne la responsabilité sur lui de mettre sous mandat de dépôt le général Diarra, son fils Amara, on pense que c'est lui. Mais heureusement que Dieu sait faire les choses. Celui-là qui était leur avocat n'était pas là. J'étais encore avocat en stage. C'est moi qui suis allé les libérer. Et il m'a salué, paix à son âme, il est décédé, en me disant, mon fils, nous avons fait beaucoup de mal aux avocats. Est-ce que ces gens-là savent que c'est l'avocat de Dadis qui est allé les sortir de la maison centrale? Quand le feu général prenait son fils Amara pour le présenter à moi. Pourquoi on continue de vouloir maintenir un ancien chef d'État prisonnier? Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, nous n'avons que ce verbe-là, cette voix, cette parole, pour vouloir laver son honneur. Nous n'avons aucun pouvoir. Nous utilisons notre parole, notre talent, notre autorité. Oui, l'avocat, c'est l'autorité. Mais à part ça, rien. C'est vous qui avez les mandats avec vous. Mais demain, vous n'aurez peut-être pas ces mandats-là. Ou ces mandats-là pourraient retourner contre vous.
Et à ce moment-là, ce sont des avocats qui seront là à côté de vous et nous diront les mêmes choses. Pensez à la nécessité des choses. Pensez à l'utilité des choses. Et j'ose croire que le président Dadis ne devrait pas durer à la maison centrale parce qu'il n'y a pas sa place. J'ose croire qu'il n'y a pas une main noire derrière qui le garde là. Et nous le disons publiquement en assumant. Nous avons déjà pris tous les risques du monde entier. On a déjà échappé à des tentatives d'assassinat. Parce que je suis la seule voix de cet homme qui est là-bas. Sans ma voix, il n'a pas de voix. Et je dois porter sa voix plus haut. Et je le ferai en tout temps, tout lieu et la nuit, comme le jour comme la nuit. En toutes circonstances. Et je le ferai sans aucun état d'âme. Je me battrai toujours à rester dans les limites de la loi. Rassurez-vous de ce point de vue-là que je suis légaliste. Mais le président Dadis est un prisonnier politique. Le président Dadis ne doit pas rester en prison. Le président Dadis ne peut pas être là alors qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat. Il était le chef d'État de la Guinée. Ça doit interpeller tous les Guinéens. Ça doit interpeller le parquet. Ça doit interpeller tout le monde. Voilà. Voilà. Voilà cet homme, ce prisonnier qu'on veut garder alors que lui-même ne veut pas que ce qui le concerne soit mis en procédure parce que tout simplement, il met la Guinée au-dessus de tout. Monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, vous avez tout compris. J'ai pris une journée pour parler de l'homme. Il le fallait, parce qu'on a totalement ignoré qui était cet homme-là. Et ma journée d'aujourd'hui est uniquement consacrée à son moi. Le moi, il est haïssable, on le dira. Mais vous comprendrez que je ne suis même pas encore entré dans le vif des points de droit qui doivent être soulevés. Et cela, ce sera pour prochainement. Ce sera pour la date que vous fixerez. Oui, le président Moussa Dadis Camara est un homme ordinaire au destin singulier. Oui, le président Moussa Dadis Camara est un militaire de l'armée guinéenne au destin atypique. Oui, le président Moussa Dadis Camara est un ancien chef d'État incompris. Oui, le président Moussa Dadis Camara est un témoin dont le statut pénal a changé pour des raisons politiques. Oui, le président Moussa Dadis Camara a été inculpé pour des raisons autres que judiciaires. Oui, le président Moussa Dadis Camara est une victime des événements du 28 septembre, alors qu'il se trouve dans le box des accusés. Oui, le président Moussa Dadis Camara est un miraculé. Oui, le président Moussa Dadis Camara a été forcé à l'exil. Oui, le président Moussa Dadis Camara a été écarté par les vrais responsables du pouvoir, par les vrais responsables des massacres du 28 septembre 2009. Oui, le président Moussa Dadis Camara est un républicain. Oui, le président Moussa Dadis Camara est un patriote. Oui, le président Moussa Dadis Camara est un exemple, un modèle, un symbole, un responsable. Oui, le président Moussa Dadis Camara est un accusé à tort. Oui, le président Moussa Dadis Camara n'est pas parfait. Mais la perfection n'est pas humaine. Sinon, je l'ai dit dès le début, que celui
qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Oui, le président Moussa Dadis Camara ne peut faire du mal à aucune mouche. Ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont vraiment connu, ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont vraiment connu, vous le diront. Ils vous diront que cet homme-là ne peut pas faire du mal à une mouche. Cet homme-là, qui est devant vous aujourd'hui, est jugé parce que des politiciens ont voulu le salir. Parce que des frustrés ont voulu le salir. Parce que des déchus ont voulu le salir. Parce que des personnes ont pensé qu'en se servant de lui, elles obtiendraient tout. Ce qui n'a jamais été le cas. Monsieur le Président, c'est cette personnalité-là que je vous ai présentée toute la journée. Qui est renvoyé devant vous. C'est cette personnalité-là pour qui je suis debout depuis ce matin, alors même que je ne me sens pas en forme. Monsieur le Président, je souhaite que vous acceptiez que je m'arrête là pour aujourd'hui. Je ne me sens pas bien. Depuis le matin, je l'avais déjà annoncé. Et je commencerai par un autre chapitre, puisqu'il est déjà presque l'heure, mais je ne me sens pas bien. Et je ne peux pas continuer dans cet état. C'est une demande que je vous fais. Il est déjà 17 heures, mais je ne suis pas bien. Vous pouvez rejoindre le box. Merci. Bon, il se peut que la semaine prochaine soit la fête de Tabaski. Bon, on ne sait pas encore. Alors, on va renvoyer cette affaire au mardi. Parce que si la fête tombe sur un dimanche, le lendemain est férié, c'est vice-versa. Décoiffez-vous dans le box, s'il vous plaît. Donc,
va envoyer cette affaire au mardi. Si la fête tombe sur le lundi, ça veut dire que le lendemain est férié. Nous le savons, le lendemain de la Tabaski est férié. Donc ça sera un renvoi automatique pour le mercredi. Je dis bien, si on renvoie au mardi et que la fête tombe sur le lundi, le lendemain sera férié, c'est-à-dire le mardi sera férié et le renvoi sera automatique pour le mercredi. Alors, parce qu'on ne sera pas là pour le décider. Le tribunal renvoie alors cette affaire au 18 juin 2024 pour la suite des plaidoiries. L'audience est levée.